Bonjour tout le monde, Mabibicom. Donc j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue à la formation Merci. d'aujourd'hui qui sera avec Bachir. Pardon, avec Richard, Hichem. Je Richard. m'excuse. Avec Hichem, nous allons venir. Parce que comme on a eu cinq séances avec Béchir, donc c'était tout le temps Béchir. Donc, alors aujourd'hui, on sera avec Hichem Zarhouni, c'est le formateur national du Maroc avec plus de 10 ans d'expérience avec Schwarzkopf. Tu me corriges si je me trompe, Vingt ans, Hichem. vingt Donc, ans. 20 ans, ok. Bon, vu que je te connais depuis à peu près une dizaine d'années, donc c'est pour ça que j'ai dit 10 ans. Donc, l'Iberic, 20 ans d'expérience, c'est énorme. Donc, je pense pas qu'il y ait une autre personne qui puisse connaître Schwarzkopf comme toi, tous les produits d'ailleurs. C'est devenu par le sang. Voilà, exactement. Exactement. Donc, Hichem va nous faire, on aura pour thème aujourd'hui neutralisation et Igora Vibrance pour tout ce qui est patine, etc. Donc voilà, je vous laisse entre de bonnes mains. Je laisse Hichem faire une petite intro puisque c'est la première fois qu'il fait une formation aux clients algériens. Donc voilà. Et on se retrouve au milieu et à la fin de la séance pour échanger sur la formation. Donc, je te laisse la main, Hichem. Ok, Merci. ça marche. Bon, salam alaikum kulkum. Salam. Salam. Bon, je Salam. m'appelle Hicham, je suis formateur professionnel du Maroc. Tout d'abord, Sana Hijriya, Bah. salam. À vous aussi. Merci, merci. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Ah, On a programmé ensemble pratiquement cinq séances. On en a passé une, ça fait maintenant 15 jours. On avait parlé d'Igora Royal. Et aujourd'hui, on va en parler d'Igora Vibrance et tout ce qui en suit au niveau de la neutralisation. Alors, déjà, est-ce que tout le monde a déjà essayé du Vibrance? Première question. Ah, vous m'entendez? Oui, pour moi, non, je l'ai pas utilisé. D'accord. Bon, Moi aussi. Ben, Igora Vibrance, c'est la nouvelle coloration de Schwarzkopf. Bon, c'est pratiquement la nouvelle coloration demi-permanente qui a été refaite. Avant, elle était en tube. Maintenant, c'est une coloration qui est en liquide. Alors, déjà, le premier thème qu'on va aborder, c'est la neutralisation. Alors, on connaît tous les reflets de Schwarzkopf, de 1 jusqu'à 9, tout ce qui est cendré, fumé, mat, beige, doré, marron, cuivré, rouge et violet. Avec toute la tendance qui est mondiale maintenant au niveau des ombrés, on est tous obligés de faire des patines. Et le problème, c'est que les coiffeurs, au niveau de la neutralisation, ne savent pas positionner le bon reflet sur le bon fond d'éclaircissement. Alors, des fois, on a des bons résultats et des fois, on a des résultats qui ne sont pas trop, trop terribles. Et ça revient au mauvais positionnement des reflets au niveau du cercle chromatique. Ben, on va faire juste un petit débriefing au niveau des reflets de Schwarzkopf. Vous savez tous que notre cendré, il contient un petit peu du bleu et du violet. Le fumé contient énormément de bleu. Le reflet mat contient énormément de vert. Après, on a le beige, qui est pratiquement une des meilleures réalisations de Schwarzkopf. Après, on a le doré, le marron, du cuivré, du rouge et du violet. Bon, la présentation que je vais vous faire maintenant, c'est d'Igora Vibrance. Alors, c'est une coloration demi-permanente qui se présente en liquide. C'est pratiquement une des premières colorations en liquide qu'on peut la transformer en coloration normale au niveau d'application. Alors, je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord,
on a plus de performance avec plus d'une cinquantaine de colorations, plus de facilité au niveau d'application parce qu'on aura un choix, soit de l'appliquer avec un pinceau comme une coloration ordinaire ou éventuellement de l'appliquer avec un biberon, ben plus de polyvalence par rapport à l'ancien Igora Vibrance au niveau de la neutralisation des reflets et au niveau des nuances, et éventuellement plus de choix. Alors, on va voir maintenant la différence qu'on va faire si jamais on fait des patines avec Igora Royal et même si on fait des patines avec Igora Vibrance. Alors, la coloration, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous constatiez quand vous faites des patines avec Igora Royal, genre le 12-11, 12-14, 12-46, est-ce que la neutralisation, elle est bien? Moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude d'utiliser Igora de moi, mais je voudrais bien essayer, Inch'Allah. D'accord. Ben, le but de cette formation, c'est d'éviter éventuellement tout ce qui est patine sur un cheveu décoloré avec Igora Royal. Ben, c'est pour cela qu'on désire maintenant basculer sur Igora Vibrance. Alors, je pense que ça, bonjour. Je pense que qu'en faisant une patine avec Igora Royal, la couleur elle est un peu terne. C'est ce que j'ai constaté. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait, parce que le cheveu, il est déjà décoloré, légèrement décoloré. Sensibilisé, les écailles sont hyper ouvertes, elle est super éclaircissante, que ce soit Schwarzkopf ou une autre marque, n'ont jamais été faites pour faire des patines. Normalement, les patines, c'est avec des colorations sans ammoniac. Alors, pourquoi sans ammoniac? Parce qu'on fait, quand on fait des éclaircissements au niveau de la cuticule, elle est ouverte. Oui. Alors, même si on referme avec un shampoing post-couleur ou un shampoing beauté couleur pour essayer de refermer les écailles, le processus de coloration ou de décoloration à 48 heures. Donc, quand on fait... S'il vous plaît, je peux demander aux participantes de couper les micros quand le formateur y parle, s'il vous plaît, parce que là, il y a plusieurs sons qui se mélangent, quoi. Merci, Rania. Bon, les bienfaits de faire une patine avec une coloration demi-permanente, tout d'abord, elle contient des pigments directs et oxydatifs. Ça veut dire qu'elle enrobe la tige capillaire de l'extérieur. Et on a moins de temps au niveau de la neutralisation. Par contre, quand on fait une patine avec Igora Royal, on sait qu'Igora Royal est une coloration permanente, donc elle doit pénétrer à l'intérieur. Et souvent, sur des décolorations, sur des mèches ou sur un balayage au niveau des patines, on a des surprises. On a 50% des fois, le résultat est bien, et 50%, le résultat n'est pas véritablement terrible. Ça veut dire que le cheveu n'est pas respecté au niveau cosmétique. Ben, c'est pour cela que Schwarzkopf a mis cette coloration en premier. C'est tout d'abord pour des colorations intégrales au niveau des cheveux et de deux, au niveau des patines. Alors, parfaite pour une application aussi en dual système. Alors, en dual système, on sait tous que les colorations demi-permanentes ne couvrent pas à 100% les cheveux blancs. Ça veut dire qu'on peut, pour préserver le côté cosmétique des cheveux d'une cliente, on peut basculer avec les deux colorations. Alors, genre, on va appliquer Igora Royal sur les racines d'une cliente. Par exemple, on va appliquer un numéro d'Igora Royal, un 6-6, qui est un blond foncé marron. Mais au niveau de l'allongement, on va faire un allongement avec Igora Vibrance. Et là, on va préserver au fur et à mesure le côté cosmétique du cheveu. Alors, grâce à l'aquaxyl. L'aquaxyl, c'est la matière première avec laquelle est faite Igora Vibrance. Tant que la formule elle est sans ammoniac,
et avec beaucoup d'agents de soins. Après 20. Qu'ils améliorent la qualité du cheveu. Après 20 minutes, oui. Ouais. Alors, le complexe hydratant protecteur, ça veut dire qu'il traite beaucoup les longueurs et pointes qui sont légèrement sensibilisées et il égalise en même temps le pH du cheveu. On sait qu'après une coloration ou une décoloration, vous sachez que le pH du cheveu, il augmente, soit à 8, soit à 9. Alors, le complexe hydratant protecteur, il est tellement acide qu'il colore les cheveux. En même temps, il les soigne en reformant la cuticule du cheveu. Donc, il stabilise la structure interne de chaque cheveu et crée une surface qui est propre et éventuellement nette et protège le cheveu de la casse. Et c'est une formule qui est sans alcool. Donc, on est les premiers à avoir une coloration demi-permanente qui est sans alcool et enrichie avec des vitamines B3 et B5. Alors, au niveau du système de codification d'Igora Vibrance, il ne change pas autant qu'Igora Royal. On a les mêmes bases naturelles et on a éventuellement les mêmes reflets. Est-ce que vous sachez très bien les reflets de Schwarzkopf? Tous? Allô? Ça serait bien de faire un petit rappel, on ne dit pas non. Bien sûr, bien sûr. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ben, le zéro, c'est le naturel. Bon, le reflet numéro un, c'est du cendré. Donc, comme on l'a rappelé à la première séance, donc le cendré de Schwarzkopf, il est différent des autres marques. Ça veut dire que le cendré, nous, c'est un cendré irisé. Ça veut dire qu'il peut neutraliser tout ce qui est orangé et il peut neutraliser tout ce qui est jaune-orangé. Le reflet numéro 2, c'est du fumé. Donc, il contient énormément de bleu. C'est beaucoup plus pour neutraliser tout ce qui est orangé. Éventuellement, c'est le problème dont soucie tout le monde, que ce soit nous, des techniciens ou les clientes, c'est de neutraliser au maximum tout ce qui est orangé. Donc, pour neutraliser tout ce qui est orangé, normalement, on doit basculer vers le reflet numéro 2, beaucoup plus que le reflet numéro 1 qui est cendré. Après, on a le reflet numéro 3 qui est du mat. Là, il contient beaucoup de verre qu'on peut travailler, qu'on peut travailler éventuellement en combinaison avec le reflet numéro 2 pour neutraliser tout ce qui est rouge et orangé. Après, on a le reflet numéro 4 qui est éventuellement du beige. C'est pratiquement le beige. Ouais, c'est un des reflets les plus forts en Schwarzkopf. Il donne des reflets qui sont hyper naturels, ni chaud ni froid. Ça veut dire qu'on est dans tout ce qui est neutre. Le reflet numéro 5, c'est du doré. Donc, on est tous le doré. Ouais. Donc, le 6, c'est du marron. Le 7, c'est du cuivré. 8, c'est du rouge. Et en dernier, le 9, c'est du violine. En parlant de violine, le 9, est-ce qu'on peut neutraliser avec le jaune, vu que le violet, il neutralise les jaunes? Non. Tout à fait, tout à fait. Là, vous avez raison. Alors, au niveau des patines, on a en Igora Vibrance des mixtants. Ça veut dire que des mixtants, ils contiennent des reflets qui sont purs. Là, on va arriver dans la moitié de la présentation. Ça veut dire qu'après une décoloration ou après un ambré ou après un balayage, si on fait une patine avec un 9-1, avec la couleur, que ce soit Vibrance, Igora Royal, le 9-1 ne va pas assez neutraliser. Donc, on doit rajouter entre 2 et 3 grammes du 0,99
afin de mieux neutraliser le jaune, et notre ombré ou nos mèches seront beaucoup plus neutralisées, beaucoup plus propres au niveau résultat final. Vous avez compris? Oui. Sinon, on a une très belle nuance sur le mèchier d'Igora Vibrance qu'on utilise énormément, c'est le 8-19. 8-19 aussi, ils sont parfaits. Ouais, elle est parfaite, le 8-19. Donc, le 8-19, il neutralise l'orange et le violet en même temps. Et le jaune, pardon. Et le jaune, voilà, tout à fait, ouais. Bon, là, vous avez la présentation, comme vous voyez sur mon écran, d'Igora Vibrance. Ben, au niveau de la luminosité, de la brillance, elle est excellente. On a une couverture de cheveux blancs avec des nuances qui sont spéciaux, 0. On peut couvrir jusqu'à 70% sur des cheveux épais. Et on peut faire une couverture jusqu'à 100% sur des cheveux fins. Alors, je répète. Au niveau de la couverture des cheveux blancs, pour une coloration normale, si on a un cheveu normal... 100% 70%. Non, sur un cheveu fin, on peut aller jusqu'à 100% avec les doubles zéros que je vais vous présenter. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est bien. Et sur un cheveu épais, on a 70%. D'accord, merci. Donc, c'est au niveau du diagnostic que le technicien ou la technicienne qui fait à la cliente, ça veut dire que, je répète, sur un cheveu fin, on peut avoir jusqu'à 100% de couverture de cheveux blancs. Sur un cheveu normal ou un cheveu épais, on a jusqu'à 70% de couverture. Ben, au niveau de la rétention, si éventuellement la cliente entretient ses cheveux avec un shampoing sans sulfate Color Freeze, ben la couleur va durer jusqu'à 25 lavages. Au niveau de la ration du mélange, donc c'est 1-1. Le flacon, il contient 60 ml. Donc, on va le mélanger avec 60 ml de la lotion activatrice que je vais vous présenter maintenant. Et le temps de pose, éventuellement, il varie entre 5 et 20 minutes. Donc, quand on dit 5, c'est au niveau des patines. Et quand je dis 20 minutes, c'est au niveau coloration. De la coloration intégrale. Éventuellement, au niveau de l'application, si on veut l'appliquer sur un cheveu naturel, donc je répète, sur un cheveu naturel, éventuellement, on doit commencer par les longueurs et pointes en premier. On laisse poser 10 minutes et après on attaque les racines avec un temps de pose global de 20 minutes. Et si on a une repousse, éventuellement on commence par les racines et on fait un allongement les 10 dernières minutes. C'est bon jusqu'à là, vous n'avez pas de questions? Oui, c'est bon. Très bien, merci. Oui, c'est bon. Là, on est en train de voir un petit peu le cercle chromatique de Schwarzkopf et les directions de reflet. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui est 1, c'est le cendré. Tout ce qui est 11, c'est du cendré extra. Tout ce qui est 12, c'est des nuances qui sont riches en bleu et en violine aussi, qu'on peut éventuellement neutraliser tout ce qui est orangé en 5-10 minutes. Et tout ce qui est 13, ça, ce sont des nuances qui sont phares avec de l'Igora Vibrance. Pardon, alors, s'il vous plaît. Vous pouvez répéter ce qui concerne le 13, le 12, j'ai compris, mais le 13, je n'ai pas bien compris. Alors, le 13, c'est un cendré mat. Ça veut dire qu'il contient du violet et du vert. Donc, le positionnement, il est entre le violet et légèrement du vert. C'est pour une neutralisation du jaune
qui reste rouge. Avec un petit peu de tonalité rouge. Ouais. Alors, au niveau des nuances qui existent, on a pratiquement les bases naturelles en général, du 1 au 9. Après, on a les doubles zéros qui sont les extras. Vous dire à quoi ça va servir. Après, on a les pastels et éventuellement les mixtes. Alors, au niveau des pastels, c'est les 9,5. C'est comme Igora Royal. C'est entre le 9 et le 10. Et ces nuances, que ce soit en Igora Royal, que ce soit en Igora Vibrance, ce sont des tonalités avec lesquelles on peut faire des patines. Alors, on a le 9,5-4, qu'on peut appeler un pastel beige. On a le 9,5-49, qu'on appelle ça un pastel beige violine. Et on a le troisième, qui est un 9,5-1. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu des 9,5, les pastels, en Igora Royal? Oui, j'ai déjà travaillé avec le 9,5-4. Voilà. Et là, maintenant, on va basculer vers Igora Vibrance. Ça, c'est la nouveauté en Igora Vibrance. Ça veut dire que maintenant, ce n'est plus la peine de faire des patines avec Igora Royal 9,5-4. Vous pouvez basculer vers le 9,5-4 d'Igora Vibrance. Dans la mesure où le 9,5-4 d'Igora Vibrance ne va pas éclaircir la base naturelle. Vous m'avez compris? Oui, donc quand on fait la patine, c'est ça, les cheveux qui n'ont pas été touchés, il ne va pas les éclaircir, c'est ça? Ah, il ne va pas les éclaircir. Mais par contre, avec Igora Royal, même si on le mélange avec du 10 volumes, on a légèrement un demi-ton ou un ton d'éclaircissement au niveau de la base naturelle. Vous l'avez remarqué, ça, ou pas? Oui, j'ai remarqué. Après, à la fin, on est censé faire une petite correction pour les racines, etc. Oui, après. Maintenant, vous n'avez plus besoin de faire cette correction avec le 9,5-4 ou éventuellement le 9,5-49 ou éventuellement le 9,5-1 qui sont miscibles entre eux. Genre qu'on peut faire moitié 9,5-4 avec moitié 9,5-1 avec la lotion activatrice qui est recommandée. Et là, on peut laisser 20 minutes sans se soucier de la base naturelle. Alors, je veux savoir une chose. Nous sommes censés utiliser la même lotion activatrice ou bien celle d'Igora Royal, ça peut passer? Non, il y en a deux qu'on va arriver et je vais vous les montrer. On en parlera tout de suite. Parfait. Richem, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, puisqu'il y a les pastels de Vibrance pour les patines, alors les pastels Igora, on les conseille pour... Parce que sinon, ils vont virer par on peut utiliser les patines d'Igora Vibrance si éventuellement on a toujours la racine qui est naturelle. Oui. Et on peut utiliser les pastels d'Igora quand la racine est déjà colorée. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de faire éclaircir la couleur. Donc coloré, voilà, merci. En fait, moi, pour l'Igora Royal, j'ai bien aimé, sauf que ça ne donne pas une brillance pour les cheveux à la fin. C'est ça. Super. Ça me donne le résultat voulu, mais pas tout à fait. Au niveau couleur, oui, mais brillance, non. D'accord. C'est une très, très bonne question parce que là, sur mon écran, vous voyez qu'il y a le naturel extra, le 000. Alors, c'est une formule qui est non pigmentée. Elle peut être utilisée seule pour un service de brillance. Ça veut dire que si vous avez l'habitude de faire vos patines avec Igora Royal, avec du 9,5-4, et vous voulez autant de brillance, alors vous mélangez le 000 avec le 9,5-4 ou avec tous les pastels. Alors, c'est fait pour ça, c'est pour donner de la brillance. On appelle ça le bain de brillance. Parce que tant que le cheveu est éclairci,
tant qu'il est mat. Alors, genre, on prend 3 quarts. Et j'allais demander le ratio. Ok, allez-y. Ouais, donc on va prendre 3 quarts du pastel et on va rajouter 1 quart du 0,00 avec la couleur. Que ce soit Igora Vibrant, que ce soit Igora Royal. Et c'est fait spécifiquement pour ça, pour donner beaucoup de brillance au niveau des cheveux. De 1 et de 2, il peut être utilisé tout seul. Donc, le 0,00, on peut l'utiliser avec le 6 volume que je vais vous présenter tout à l'heure. Au niveau de la brillance, ça veut dire qu'on l'applique comme une coloration, racine, longueur et pointe. Il n'y a pas de pigment oxydatif, mais c'est uniquement pour donner de la brillance. Avec un temps de pose de 20 à 30 minutes. Et là, on a une brillance qui est remarquable au niveau des cheveux. S'il vous plaît, une question, Monsieur Hicham. Oui. Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec Igora. Et oui. Je voudrais bien l'essayer. Quand on a une plante qui est déjà colorée, mais avec une racine orange, parce que automatiquement, les Algériennes, quand on éclaircit avec le 8-1 ou avec une autre, le 9-1, toujours la racine, elle vire vers l'orange. Pour neutraliser avec Igor, comment on fait? Parce que là, il y a deux façons. Oui. Alors, soit basculer vers les 12. Comme je vous ai expliqué au début, pour neutraliser tout ce qui est orangé, le cendré seul n'est pas suffisant. D'accord. Donc, soit on va utiliser quelque chose avec le 12, mais genre en Igora Royal, le 8-12, il n'existe pas. Donc, on doit fabriquer quelque chose qui va permettre de nous aider à neutraliser cette racine qui est orangée. Donc, on va basculer vers les mixtants. Alors, genre, je vais prendre un demi-tube ou un tube du 8-1. D'accord. Et je vais rajouter 3 grammes du mixtant 0,22. 0,22. D'accord. 0,22. Alors, sur un tube, je répète, sur un tube de 60 grammes, je rajoute uniquement 3 grammes de 0,22. Et là, ça va permettre de bien neutraliser tout ce qui est orangé. D'accord. Parce qu'en général, les clientes, elles veulent éclaircir à tout prix le châtain qu'ils ont sur la racine. Et là, difficilement, on le fait avec les autres couleurs. Oui, oui. On a même ici, nous, le même problème. Mais avec cette astuce-là, on arrive. Sinon, est-ce que vous connaissez le 0, le E0 de Igora Royal? Non, je ne connais pas, M. Hicham. Le 0? Alors, le E0. E0. D'accord. Alors cette cliente, genre qu'elle a un châtain. On veut remonter à un 8 ou un 9. D'accord. Logiquement, on doit faire une légère décoloration. Ça, c'est la logique. Oui. Mais quand toutes les clientes n'aiment pas être décolorées. Exactement. Voilà. Alors, la formule, on va prendre un demi du 8-1. Oui. Avec un demi du E0. D'accord. Alors, le E0, c'est une crème éclaircissante qui a le même emballage d'Igora Royal. Et à nous, elles veulent faire gagner 2 tons d'éclaircissement. D'accord. Et au même mélange, on ne va pas oublier de mettre les 3 grammes du 0,22. 0,22. D'accord. Très bien. Okay. Donc, merci, je répète. Beaucoup. Voilà. Alors, moitié 8-1, moitié E0 et toujours nos 3 grammes de 0,22.
là, on va obtenir un éclaircissement de 4 à 5 ans, à 5 temps. Ça veut dire qu'il est net, sans orangé. Très bien. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais l'essayer demain, Inch'Allah. Voilà. Et merci. N'oubliez pas le naturel extra 000 de Vibrance. Là, il donne une brillance qui est remarquable aux cheveux. Et vous pouvez l'appliquer aussi seul sur des cheveux qui sont ternes. On va être pas censé le mélanger avec une coloration. Il peut être mélangé seul autant qu'être mélangé avec une autre coloration. Que ce soit Igora Royal ou que ce soit Igora Vibrance. Pardon, autre chose. En parlant de la crème éclaircissante, que le mélange que vous venez juste de nous donner, oui. Et est-ce que je mettrai avec de la crème oxydante 30 ou 20 Non, avec du 30 volume. Avec du 30 volume, d'accord. Et cette opération, puis-je la répéter deux fois quoi, sur les mêmes cheveux au lieu d'utiliser la poudre? Non, parce que le E0 n'éclaircit que des cheveux naturels. Ça veut dire d'accord. Je savais pas. On va la faire la première fois, sur la deuxième fois, il n'y aura pas de réaction. D'accord. Sinon, vous pouvez utiliser le E0 seul en crème éclaircissante sur les racines. Tant qu'elle a un pouvoir éclaircissant de 4 à 5 temps, et là, vous repatinez la racine. D'accord. Vous m'avez bien compris, là? Honnêtement, non. Non? OK, d'accord. Alors, genre la cliente, elle a du 4. On veut arriver à un 9. On est censé décolorer avec de la poudre. Vous êtes d'accord? Oui. Là-dessus, oui. C'est la procédure classique. C'est la procédure classique. Alors, pour éviter cette décoloration, on va utiliser uniquement le E0 avec du 30 volume, seul, sans coloration. Alors là, on va obtenir un jaune clair. Donc, on doit rincer les cheveux, sécher et recolorer la racine. Ouf. Patiner la racine. Et on patine toujours avec ce que vous m'avez donné. Oui, tout à d'accord. fait. D'accord. OK, merci. OK. Alors là, on va un petit peu parler de la couverture des cheveux blancs avec Igora Vibrance. Tant que je vous ai dit que la couverture sur cheveux normaux et cheveux épais, la couverture elle est à 70%. Et au niveau des cheveux fins, on peut obtenir jusqu'à 100%, mais en utilisant les 00, les naturels extra, sur lesquels on a le 500, le 700, et le 900. Alors, en cas de cheveux normal ou épais, on ne doit pas utiliser les bases naturelles seules, mais on utilise les bases naturelles extra. Ça veut dire les 00, 500, 700 ou éventuellement le 900. Alors, vous allez constater qu'il n'y a pas de 600, il n'y a pas de 800. On peut les fabriquer. Si on veut un 600, c'est moitié 500 et moitié 700. Si on veut du 800, c'est moitié 900 et moitié 700. D'accord, OK. Alors, au niveau des lotions activatrices, il y en a 3. Il y a le 1,9 qui correspond aux 6 volumes. Il contient un agent spécifique apaisissant, transforme le liquide couleur en consistance crème. Alors, le comble, c'est que Igora Vibrance, elle est liquide.
Et quand on la mélange avec la lotion activatrice, ben, elle devient une crème normale. Pour une application beaucoup plus précise, facile et rapide. Alors, on l'utilise quand on désire foncer ou éventuellement avec les pastels et si on a maximum 30% de cheveux blancs. Donc, je répète, on va utiliser le 6 volumes avec l'Igora Vibrance quand on désire foncer un temps sur temps et si on a un maximum de 30% de cheveux blancs. Là, on utilise le 6 volumes. C'est bon? Oui. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Après, on a le 13 volumes qui est toujours en crème. Il contient aussi un agent spécifique apaisissant. Transforme la couleur en crème. Et là, c'est pour un léger éclaircissement. Ça veut dire qu'avec Igora Vibrance, on peut éclaircir une couleur naturelle avec du 13 volumes entre un demi-temps et un temps. Tout dépend de l'épaisseur du cheveu. Et on le mélange aussi quand on désire faire une couverture de cheveux blancs entre 70 et 100%. Alors, 70%, on a dit si on a un cheveu épais, on peut aller couverture à 70% avec les doubles zéros en les mélangeant avec le 13 volumes. Si éventuellement on a un cheveu fin, là on bascule vers les doubles zéros en le mélangeant avec le 13 volumes aussi. C'est bon, vous m'avez compris? Oui, oui. Merci. Et Hicham, une question. Oui. Alors, peut-être que ça peut, je ne sais pas, peut-être que ça peut intéresser les clients. Quand on veut refoncer, est-ce qu'on utilise du 6 ou du 13? Non, du 6. Quand on veut refoncer le maximum? Non, pour foncer, c'est du 6. D'accord. Et jusqu'à quel temps on peut foncer avec Vibrance? Ben, on peut foncer maximum 3 temps. D'accord. Merci. Et je vous en prie, sauf si on désire foncer au-delà de 3 temps, là, on doit passer par une prépigmentation ou une précoloration. Prépigmentation. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Alors, avant-dernier, on a le gel activateur. Alors, le gel activateur, tant que je vous ai dit qu'il me permets. Isha, juste, oui. Je me permets de préciser que le gel activateur, on ne l'a pas encore. D'accord? On ne l'a pas encore sur le catalogue Algérie. On a le 6 et le 13 en uniquement lotion. Donc, on ne l'a pas. Mais voilà. C'est-à-dire, on dit aux clients que c'est la même chose qu'un 6, c'est juste qu'il est plus léger et ça facilite les patines. Mais juste pour vous dire qu'on ne l'a pas encore reçu en Algérie. Voilà. Ok, ben, je vais juste en parler 30 secondes. Voilà. Si jamais vous allez le recevoir bientôt. Bon, au niveau du gel activateur, c'est une lotion activatrice qui est en gel, qui facilite les patines avec de la coloration. Ça veut dire que la coloration reste en gel. Elle est beaucoup plus idéale au niveau des patines avec un biberon, applicateur. Alors là, le coloriste peut appliquer soit le 6 volumes en gel, soit il peut appliquer la lotion activatrice, le 6 volumes en crème. Mais le 6 volumes en gel, il est beaucoup destiné pour faire des patines en liquide rapidement. Voilà. D'accord. Ben, après, au niveau d'Igora Vibrance, on a les boosters neutralisants et on a les boosters mode. Ce qui veut dire, on a le 011 qui est un additif anti-jaune. On a le 022 qui est un additif anti-orange. Et on a le 033 qui est un additif anti-rouge. Alors, ces boosters sont faits pour être mélangés
éventuellement avec toutes les nuances d'Igora Vibrance. Je prends par exemple, je vais prendre un 765 qui est un blanc marron doré sur lequel je vais l'appliquer à Madame X et je veux neutraliser mon fond orangé. Donc, je vais prendre le 765 et je vais mélanger mes 3 grammes de 0,22 avec le 765. Pour le 0,11, je vais faire ma patine avec le 9,5-4. Alors, je pourrais ajouter 3 grammes du 0,11 qui va m'aider à neutraliser mon fond jaune. Et pour le 0,33, c'est pour permettre... Vous voulez dire 0,22 pour le 9,54, c'est ça? Soit le 0,22, soit le 0,11. Tout dépend du fond d'éclaircissement qu'on a. Alors, sur des bases 8 et 9, on ne doit pas dépasser 3 grammes. Et sur des bases qu'on va travailler 6 ou 7, on peut aller jusqu'à 9 grammes. Et sur des bases foncées, on peut aller jusqu'à 15 grammes. 15 grammes. Ça veut dire que c'est des neutralisants qui sont très, très puissants. À part qu'on a des nuances qui sont déjà mélangées, que je pourrais vous recommander en Igora Vibrance, comme le 721. Qui est un blanc moyen fumé cendré, le 5-21, le 7-24, le 9-24, le 6-12, le 8-11, le 7-42 et le 9-42. Là, ce sont des nuances qui sont presque adaptées. Là, on va, comme on a dit, comme vous voyez sur le tableau, en application en dual système. Ça veut dire qu'on pourra appliquer Igora Royal sur les racines et tous les allongements, on peut les faire avec de l'Igora Vibrance. Tant qu'on a ces nuances qui sont pratiquement compatibles avec Igora Royal. On a pratiquement 50 nuances dans le métier d'Igora Vibrance qui sont compatibles avec Igora Royal. Voilà, je vous parle du 0,00 encore une fois. C'est au niveau de la brillance. Oui, on peut mélanger avec du 6 volumes, que ce soit sur des cheveux qui sont clairs ou éventuellement des cheveux qui sont foncés. Sans activateur. Sans gel activateur, voilà. Voilà, là, c'est pratiquement la fin de la présentation. Ben, j'attends vos questions, si c'était quelque chose qui n'était pas clair. Que ce soit au niveau d'Igora Royal ou que ce soit au niveau d'Igora Vibrance. Une question, Hichem. Oui. Pour la lotion activatrice Vibrance, on a parlé du liquide, de la lotion et du gel, c'est ça? Oui. Pour la lotion de 1,9 ou 6 volumes, on a parlé du mélange entre la lotion et le gel, c'est ça, pour avoir une crème activatrice. Non, c'est pas ça. Non. Alors déjà, Igora Vibrance, elle est en liquide. En liquide, voilà. En liquide. Et quand on la mélange avec la lotion activatrice, elle devient une coloration normale, en crème. En crème, oui. Voilà. Mais si on la mélange
Avec le gel, elle reste en gel. En gel, ok. Voilà. D'accord. Merci. Pardon. Si j'utilise l'Igora Vibrance, mais je n'ai pas la lotion activatrice, j'ai que l'oxydant d'Igora Royal. Est-ce que je peux l'utiliser avec? Alors, si vous allez utiliser l'Igora 10 volumes, déjà, ce n'est pas la même formule avec laquelle est fabriquée Igora Royal et Igora Vibrance. Et là, la compatibilité ne sera pas véritablement idéale. On n'aura pas le résultat absolu. Bon, entre nous, on peut le faire, mais il faut faire très attention que le 10 volumes d'Igora Royal pourra éclaircir la couleur beaucoup plus d'un temps. Ok, d'accord. Merci. Hicham. Oui. Hicham, Lina Loulou demande que les boosters 0,55 ou 0,77, ou Shidiro, c'est quoi leur rôle? D'accord. Anana Jaleo. Alors, nous avons les boosters mode, les 0,55 ou 0,77 ou 0,88 ou 0,89 ou 0,95. Donc, c'est pour faire booster le reflet. Si jamais une cliente, genre, il y a une nuance qui est le 5,88. La cliente, elle a choisi un 5,88, qui est un châtain clair, rouge extra. Et on veut faire ressortir beaucoup plus le rouge. Donc, on va prendre moitié de la nuance désirée, qui est le 5,88, et je vais rajouter la moitié du 0,88. Et la même chose pour le 0,77, et la même chose pour le 0,55, et le 0,89, et le 0,99. C'est pour faire ressortir beaucoup plus le reflet. Et on peut aller jusqu'à la moitié, ça veut dire jusqu'à 30 grammes. Le contraire du 0,22 et du 0,11 et du 0,33, qui est entre 3 grammes, 6 grammes et 9 grammes au maximum. Donc, il ne faudrait pas mélanger entre les boosters neutralisants et les boosters mode. Hicham, s'il te plaît, même pour la prépigmentation, c'est ça? On peut appliquer pour une prépigmentation? En principe, pour la prépigmentation, je ne sais pas si vous l'avez en Algérie ou pas, on fait la prépigmentation avec l'Igora Color Mousse. Ah, voilà. Alors, c'est une coloration en forme de mousse avec laquelle on fait une prépigmentation. Mais si on ne l'a pas, vous avez raison, on peut faire une prépigmentation avec les boosters. OK. Surtout avec le 0,77. D'accord. S'il vous plaît, Hicham. Oui. En ajoutant les boosters, est-ce qu'on est obligé d'ajouter la quantité de révélateurs ou on garde la même quantité? Tout à fait, tout à fait. Il faut ajouter. Tout à fait, oui. D'accord. Ça veut dire que la quantité qu'on mélange des neutralisants ou des boosters, elle est toujours prise en considération avec la lotion activatrice. D'accord, merci. Des questions? Alors, je peux vous poser des questions? Bien sûr. Allez-y. Donc, si on a un fond d'éclaircissement après des mèches ou un ombré et on veut faire une neutralisation avec du vibrance, alors le fond, il est jaune. Un jaune poussin. Alors, je neutralise avec quoi? On neutralise avec le 0,11. Le booster 0,22. Moi, je dirais le 0,22. Le jaune. L'anti-jaune.
D'accord, mais on ne peut pas neutraliser avec le neutralisant tout seul. Neutralisant, enfin, on le mélange toujours avec une coloration. Je peux prendre le 9,5,4 que j'aime beaucoup avec le 0,22. Ouais. 9,5,4 plus 0,11. Ah, moi, je propose le 8,19. Voilà, c'est beaucoup mieux, 8. Le 8,19. D'accord. Ouais. Oui. Parce que je vous ai dit que le fond, il était un jaune poussin. Poussin, oui. Donc le beige, il aura du mal pour neutraliser. Quand cette combinaison de cendré et de violine va le neutraliser rapidement et la couleur sera très propre. Alors si on a un fond orangé. Alors, pour mon fond orangé, avec quoi je vais neutraliser? Avec 0,33. Non. Certes, avec le 0,11. Ah, le 0,11, normalement. Plus le 0,22. Plus... Non, le 22 avec... Bien sûr, l'orangé, c'est toujours... Du bleu, un fumé. Oui. Oui. Avec quelle couleur? Et la couleur soit le 6. Avec 1,1. C'est cendré voilà, et rouge. Et là, vous n'avez pas compris. Michel, vous n'avez pas précisé quelle couleur on voudrait obtenir. Ah, c'est juste pour obtenir j'ai pas entendu. Un bon marron. Ah, d'accord. Non, je peux utiliser pour un fond orangé un truc, 0,12 ou 0,21, plus 0,22. Voilà. Alors, il y a dans le méchier. Dans le méchier, il y a le 6-12 qui est déjà préparé. D'accord. Il y a aussi le 7-21. Ça veut dire quand on prend le 6-12 ou éventuellement le 7-21, on n'est pas censé mettre encore plus du 0-22. Tu peux mettre le 0-11. Oui, si on désire. Ouais. Ça ne va pas aller vers... Ça sera pas trop cendré? Non, non, du tout. D'accord. Parfait. En respectant les doses, ça va être nickel. Ok. Donc, ça sera un tube de 60, c'est 3 grammes. Tout à fait. Et après, c'est, on va dire, les cheveux, ils sont trop longs, ils sont épais. Si je prends, on va dire, 2 tubes, je prendrai 6 grammes. 6 grammes, ouais. D'accord, parfait. Alors, merci. Troisième question, il y a une cliente qui vient avec un cheveu terne. Elle demande de la brillance. Ouais. 0,0. Voilà, le cuir. Une tête plus 0,20. Le truc magique. Voilà, tu vas clair. Alors, c'est quoi la différence entre le... Je n'ai pas entendu la réponse, s'il vous plaît. C'est le 0,00. D'accord. Qu'on utilise sans révélateur, en fait. C'est ça? Tout à fait, ouais. Ouais. D'accord. Une autre chose, question, moi, s'il vous plaît. Pardon, allez-y. Merci. Donc, le 0,00 ne peut pas être additionné à une autre couleur, c'est bien ça. Il doit exclusivement être appliqué seul. Non. Ça veut dire que c'est facultatif. On peut l'appliquer seul pour donner beaucoup plus de brillance, comme on peut le mélanger avec la couleur désirée. Ça va donner de la brillance aussi. Pour des pastels, voilà. Donc, soit les pastels, soit avec des marrons, soit avec une couleur noire, si on prend du noir. Peut être mélangé avec n'importe quelle coloration, c'est pour donner de la brillance. Surtout pour des cheveux clairs. Parce que tant qu'on éclaircit le cheveu, il devient terne et mat. C'est tout à fait normal parce qu'on a les pendules sulfurées qui sont cassées. Alors, le 0,00 nous aide un petit peu à... Pas nous aide un petit peu, mais nous aide beaucoup pour retrouver cette brillance que la cliente cherche. D'accord. Hicham, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut mélanger deux nuances de neutralisant? Ou là, deux reflets, ou là, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, bien sûr. D'accord. Selon
selon le fond d'éclaircissement. Le résultat désiré. Oui, bon. D'accord. Par exemple, je vais prendre un 7-4 et je vais en mettre 2 grammes de 0,22. D'accord. Et 2 grammes de 0,33. Et pour le 0,00, est-ce qu'on peut l'ajouter à chaque fois pour avoir plus de brillance ou c'est pas vraiment... D'accord. Ça dépend du diagnostic. En fait. C'est pas la peine d'ajouter, voilà. Donc la seule utilisation pour le 0,00, c'est la brillance seulement. Uniquement de la brillance. Attention, si j'ai déjà fait un balayage pour une cliente et j'ai déjà, on va dire 2 semaines, j'ai déjà patiné avec de l'Igora Royal et après, la couleur, elle va commencer à s'estomper. Oui. Je veux repatiner seulement avec la vibrance. Oui. Je peux utiliser les neutralisants 0,22, 0,11 s'il y a des reflets qui sortent ou... Oui, bien sûr. Ça pose pas de problème. Bien sûr. Parfait. Okay. Mais vous allez utiliser avec le 6 volume, pas le 13 volume. Ah oui, pour ne pas éclaircir. Oui. Ouais. D'accord. Enfin. S'il vous plaît, l'application, tu as le 0,00, elle peut se faire sur cheveux humides aussi. Soit sur cheveux humides, soit sur cheveux secs. C'est un tout-terrain, le 0,00. En plus, il est 500 ml. C'est un produit qui est magique. Très bien, merci. Même ici, les gens, on travaille beaucoup avec le 0,00. Juste quand la cliente vient faire un brushing, ça veut dire que pendant le shampoing, on peut l'ajouter. On en prend un petit peu, on met 5-10 minutes et après... J'allais justement poser la question, vous avez répondu. Concernant le temps de pause. Le temps de pause, temps de pause pour obtenir un bon résultat, c'est 20 minutes. Avec la brillance. Sinon, j'ai un astuce que je vais vous donner concernant les brushings. C'est-à-dire que la cliente, on va lui faire son shampoing. Et on peut le mélanger au masque. Très bien. Donc, le temps de pose du masque, ça varie entre 5 et 10 minutes. Nous, on va rajouter encore 5 minutes. On va rincer. Le brushing sera... Super. Donc, ça va être masque, booster et révélateur ou uniquement masque et booster? Là, uniquement masque et 0,00. Oui. D'accord. Pardon, Monsieur Hicham, j'ai une question. Si il y a une cliente qui a les cheveux déjà blancs, ils sont dans les temps de 9-10, et elle veut avoir, elle veut revenir au temps 3-4, et j'ai déjà fait, mais dès qu'elle lave 2 à 3 fois, il y a des reflets indésirables qui ressortent. Ouais, c'est tout à fait normal, parce que est-ce que vous avez prépigmenté? Honnêtement, non, je n'ai pas pigmenté, je ne sais pas comment le faire, c'est ce que j'aime me le dire. D'accord, alors en Schwarzkopf, il y a 2 méthodes. Ça veut dire quand on désire foncer au-delà de 3 temps, il y a les pigments naturels, les pigments granuleux qui ont disparu du cheveu. Alors en Algérie, vous ne l'avez pas, il y a une mousse d'Igora Royal qu'on met d'abord sur les cheveux et au-dessus de la mousse, on colore les cheveux. Alors, si la mousse, elle n'y est pas, alors on prend un booster d'Igora Vibrance, un 0,77, et on le mélange avec du 6 volumes d'abord. On l'applique sur les cheveux, on ne laisse pas poser, on ne rince pas. Et au-dessus, on applique la couleur qu'on désire, le 3 et le 4. Donc, je ne reste pas, j'applique direct. Sur le booster, j'applique ma couleur, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, merci. Vous allez constater que même la cliente se lave les cheveux chaque jour,
les reflets non désirables ne vont pas ressortir. Ça, on appelle ça une prépigmentation. Pardon, j'ai raté juste l'indice du révélateur qu'on utilise avec le 0,77. Le 6 volume. Ouais. Okay. Toujours quand on désire foncer, c'est le 6. Merci. Bon, c'est bon, plus de questions. Non. Ben pardon, voilà. En parlant des 0,55, 0,77, on a les mêmes en Igora Royal, s'ils ne sont sûr. Pas disponibles ici en... Si, on a les... Igora Royal. C'est les E, c'est ça? Il y a en Igora Royal. Non, c'est les... En Igora Vibrance. Merci beaucoup, Yatek Saha, pour cette formation. Allah, j'ai appris beaucoup de choses. C'est très intéressant. Merci. C'était très, très intéressant. Et on va s'habituer, on va vous redemander encore plusieurs fois. Hein. Inch'Allah, c'est les absents ont toujours. Rendez-vous, Inch'Allah, mercredi prochain à la même heure. Oui. Inch'Allah. Hichem, comment on dit, les absents ont toujours tort, non? Hein? On dit toujours les absents ont toujours tort. Ben oui, ben oui, on apprend toujours. Oui. Merci beaucoup, Hicham. Merci à vous, merci de votre confiance. On te à Merci. S'il vous plaît, monsieur Hichem, oui. Partagez avec nous votre Instagram. Voilà. Ok, ok, d'accord. Barber. Ok. Barber. Je vous dis. Formation demain à 16h avec Roland aussi et on retrouvera également Hichem la semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 16h également. Et bien voilà, vous êtes gâtés avec Schwarzkopf, cher client. Donc, merci beaucoup Schwarzkopf Algérie. Très gâté. Avec plaisir, madame, on est là pour vous satisfaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À 16h avec Roland. Inch'Allah. Bonne journée. Bonne fin de journée à toutes. Au revoir. Et toi à tous. Merci, Schwarzkopf. Merci, Schwarzkopf Algérie. Je vais vous partager ma.